Je vais vous parler d'une histoire incroyable. De la création d'un monde, d'un univers, d'une mythologie. Un projet titanesque, tout droit sorti de l'imagination de Juan García Ríos. Un projet porté par des hommes et des femmes qui, par leur cœur et leur talent, ont su donner vie à cette œuvre extraordinaire. Ceci est l'histoire d'une guerre, une tragédie qui opposa des êtres sublimes à leurs frères merveilleux. Bonjour, je suis Juan García Ríos, je suis compositeur et auteur, et nous sommes tous ici réunis pour la deuxième partie du cycle de Gamara qui s'appelle Hyperion. Alors Hyperion, c'est un album concept qui réunit une nouvelle avec donc des peintures, de la musique et un spectacle. Le synopsis, nous sommes 30 ans avant les événements du Cante de la Naranja, à un moment où le jeune prince Lucas découvre Hyperion, qui est le livre fondateur des croyances de son peuple. Ok, petit récapitulatif. En 2016, Juan a sorti le premier cycle de Gamara, El Cante de la Naranja. Là aussi, avec un album, un livre et une tournée concept mêlant musique, peinture et danse. Cette année sortira Hyperion, le fruit de plusieurs années de travail. En fait, en 2009, j'ai écrit El Cante, mais El Cante est sorti en 2016. Donc, pendant ces années-là, j'ai continué à écrire. Ce qui fait qu'en fait, le premier album qui est sorti, c'est la première chose que j'ai écrite, en fait. Ou une des premières des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, en fait, ça fonctionne un petit peu à rebours, comme ça. C'est-à-dire que là, on est en train de jouer Hyperion, on est en 2022. Et Hyperion a été écrit en 2012. Donc il y a toujours cette latence de 10 ans entre la sortie, la sortie du projet et la création du projet. Donc là, c'est pareil. Donc je peux dire qu'il y a déjà au moins 7 ou 8 projets supplémentaires qui sont faits, voilà, qui attendent. Mars 2022. Le rendez-vous est pris au Vintage Sound Studio, où Juan et Luis préparent l'ordinateur pour les sessions d'enregistrement à venir. Il s'agit d'importer des fichiers audio préparés par Juan afin que les musiciens aient une base pour jouer. À ce stade, les musiciens ont reçu les partitions, et chacun se prépare de son côté. Cette année, c'est une nouvelle équipe qui va enregistrer les morceaux et assurer la tournée. Et c'est donc Cécile au bugle et Suzanne au violoncelle qui commenceront l'enregistrement. Mon premier rencontre avec Juan, c'était vraiment en vrai ici, quand je suis arrivée pour l'enregistrement. Il m'a appelé et il m'a donné, c'est Christian Claver qui m'a donné ton numéro. Donc Christian, c'est un violoniste que j'estime énormément et je faisais 100% confiance que s'il a donné mon nom pour un projet, ça allait être quelque chose qui allait me convenir. Et en fait, quand Juan m'a appelé, j'étais à Paris et je marchais et j'avais du mal à sortir l'agenda de voir si j'étais libre ou pas. Donc je dis oui, ça va marcher. Donc en fait, on s'est rencontrés au téléphone, mais vraiment sur le conseil d'une bonne amie à moi.
Donc le premier rencontre, c'était ici en vrai, mais avant il m'a envoyé sa musique et évidemment ça m'a beaucoup intéressé comme projet. Les sessions d'enregistrement s'enchaînent et le 8 mai, c'est au tour de Sacha et Jacob de passer devant le micro. Je suis Sacha, je suis tromboniste, j'ai 22 ans et voilà, je viens d'un parcours classique, musique classique, et je me suis orienté plus tard vers le jazz et les musiques actuelles. Pas tant qu'ils étaient difficiles, c'est que la quantité de travail était un petit peu... de travail, de concentration était un petit peu plus élevée que les autres. Il y avait Hyperion, évidemment, qui est quand même un morceau phare, et qui a demandé du temps pour qu'on enregistre un peu tout. C'est une grosse pièce bien progressive et tout, et il fallait que ce soit bien fait. Bonjour, je m'appelle Jacob Fournel, j'ai 45 ans et je joue de la flûte irlandaise. Le morceau le plus difficile, c'est un morceau dans une tonalité très difficile à jouer sur mon instrument, parce que moi j'ai une flûte irlandaise, donc je suis diatonique et je ne peux pas jouer normalement toutes les notes. Et là, Juan a eu l'idée brillante de composer un morceau avec 5 dièses. C'est un truc très compliqué à jouer à la flûte. Et le morceau, j'ai oublié le nom, c'est Lidérion. Oh, il m'a raccroché au nez. Attends, Juan, tu délires ou quoi, là? Tu me raccroches au nez? Désolé, je suis vraiment désolé. En fait, je n'ai pas apprécié du tout que tu me déranges pendant une conversation téléphonique. Bon, oui, alors ce morceau, c'est Lidérion, non? Ça, c'est quoi? Celui-là? Non, c'est Éolidra. Éolidra! Tu vois, j'ai bien fait de t'appeler. Mais j'ai cru que tu m'appelais pour venir prendre ta place. Non. Mais non! Bon, on reprend. Donc, deuxième. Le morceau le plus difficile. Alors, c'est un morceau qu'a composé Juan avec plein de dièses à la clé. Et pour la flûte irlandaise, c'est pas évident. C'est un morceau qui s'appelle Éolidra. Et progressivement, une ambiance légère règne sur le studio. Mais une mauvaise nouvelle va vite refroidir l'ambiance. Alors mon ami Raouf a souhaité, on a souhaité d'un commun accord qu'il ne participe pas sur le projet Hyperion, parce que Raouf ne se sentait pas de le défendre artistiquement et philosophiquement surtout. Et c'est vrai qu'en tant qu'ami, je me dois de respecter les convictions de chacun. Et je ne peux pas forcer Raouf, en tant que chanteur, à chanter ce que son cœur ne peut chanter. Et c'est bien toute la problématique d'un chanteur, c'est qu'à travers le chant, le chanteur a besoin d'avoir un accord entre ses convictions, sa voix et son cœur. Et en tant qu'ami, je ne pouvais pas lui demander de chanter quelque chose qu'il n'avait pas envie de chanter. Après une pause estivale, l'enregistrement reprend au mois d'octobre au Vintage Toon Studio. Et c'est Juan qui tient la caméra cette fois-ci. Encore une journée, une nouvelle journée pour ce superbe album d'Hyperion. On a la chance aujourd'hui d'avoir un artiste magique, un virtuose du violon. Et je vais vous le présenter. Alors, il doit être en train de se chauffer. Ah, il est là. Mesdames et messieurs, Christian Claver en personne. Voilà. Voilà, qui nous fait l'honneur d'être sur ce disque. Voilà, monsieur Christian, merci d'être là en tout cas. Avec plaisir. Voilà. Parallèle des enregistrements,
la recherche d'un nouveau chanteur a débuté. On a eu une flopée de chanteurs à auditionner, dont deux qui sont merveilleux, qui sont actuellement voilà, en lice pour être les chanteurs de ce projet. Et l'univers conspire, puisque ben, dans la problématique des Pyrions, on est quand même sur un contexte anglo-saxon. Grâce à Suzanne, grâce aux flûtes irlandaises de Jacob. Et c'est vrai que ben là, pour l'heure, le chanteur va chanter en anglais. Et il se trouve que les deux chanteurs qui sont en lice sont anglophones. Donc voilà, il y a une cohérence folle vis-à-vis de ça. Et c'est donc le chanteur Marc Vasquez qui a été sélectionné pour porter le projet Épierien. Écoutez plutôt. Donc Marc Arnold Vasquez, né en Australie, il y a pas mal de temps maintenant. Et je suis chanteur avant tout, après guitariste aussi, et compositeur, auteur, voilà, principalement. Donc, puis prof de chant aussi, et prof de guitare. J'ai dit oui, je viens, j'ai pris mon temps déjà, et j'ai voulu rassurer Rouen que ce n'était pas par rapport à la qualité, c'est parce que par principe, si je dis oui à un truc, je vais vraiment le faire à fond. Et que ce n'était pas forcément le genre de musique que j'écoute tous les jours. Donc je voulais vraiment être sûr que je pouvais même rentrer dans les morceaux, que ça allait me parler en fait, et que j'allais pouvoir restituer ce qu'il voulait. Et après, j'aime bien les morceaux. J'aime beaucoup certains morceaux, j'ai forcément des préférences comme tout le monde. Hein. Et j'aime bien le côté musique de film mélangé avec un côté rock. Ça, je trouve ça intéressant, j'ai jamais fait ça avant. Et donc je trouvais ça intéressant. Et ce qui me plaît aussi, c'est que le peu que je connaisse Juan, je trouve qu'il a du drive, comme on dit. Tu vois, il sait où il va. Et c'est quelqu'un qui, je pense, qui est droit et qui fait ce qu'il dit et qui a un objectif. Et moi, j'aime bien ça, en fait, quand les gens, ils ont un projet, ils ont une vision artistique, ils se donnent les moyens. Bah, je respecte ça, en fait. Si je peux en faire partie, bah, c'est cool, quoi. L'album est vraiment différent parce qu'il y a une autre énergie, une autre atmosphère déjà. Moi je l'entends beaucoup plus sombre dans le sens, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus... Je trouvais que dans les cantés, il y avait un côté très aérien, très marqué dans des mélodies qui étaient vraiment aériennes, très, très légères, et en même temps, il y avait des choses qui étaient plus lourdes. Et celui-là, il est plus énergique. Le niveau de l'énergie est différent. En tout cas, après, pour moi, pour l'enregistrer, enfin, pour faire le travail que je fais dessus, ou que je peux apporter dessus, c'est complètement différent en approche, vraiment. C'est ainsi que se terminent les enregistrements au Vintage Sound Studio. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. L'édition, le mixage et le mastering vont prendre encore quelques mois, mais le travail ne s'arrête pas là. Aurore Lescaut, voilà, qui est notre illustratrice sur le projet. Elle a la gentillesse de nous recevoir chez elle, et franchement, c'est énorme. Bon, on est un peu ému, là, parce que voilà, en fait, c'est la première fois que je vais découvrir l'intégralité de l'œuvre. On s'est beaucoup parlé, on a fait téléphoné. Voilà, énormément de messages. À chaque fois, on a fait du brainstorming, mais elle va vous raconter tout ça. Et là, ben, aujourd'hui, c'est la remise des peintures dans un but qui est de scanner en fait les œuvres pour ben, les rendre éternelles et pour pouvoir les travailler, pour faire des premières de couverture, des quatrièmes de couverture. Voilà. Bon, ben Aurore. Parce que c'est vraiment lui, dans l'attitude. Donc Épirion représente l'entièreté du règne animal, en fait. Hein. Il a une tête de loup, il a des ailes d'oiseau, et il a
Ici, une longue queue de requin, il a des pattes de théropode, hein, donc de reptile. Et voilà, donc il a un buste d'homme et puis le calard, donc ce fameux instrument qui lui permet de générer, voilà, de, qui permet de dupliquer la vie en fait. Il est magnifique. Au début, j'étais partie, je pensais qu'il fallait que je me serve des images qu'il m'avait envoyées, c'est-à-dire ça. C'était des photomontages qu'avait fait Juan. Voilà. Lui, il est assez ressemblant. Je crois que c'est un des seuls que j'ai recopié dans l'exactitude. Et donc j'avais des personnages un peu bizarrouillés que je comprenais pas trop. Et parfois, il voulait vraiment que je me base sur ce qu'il avait pris, ce qu'il avait créé. Et même à un moment donné, Yonis, je l'avais dessiné avec un socle, mais je ne voulais pas du tout. Pas du tout. On communiquait par vidéo, photo, il y avait beaucoup sur mon télé, sur mon ordinateur, j'ai plein d'inspiration d'animaux, il a fallu que je me plonge dans les personnages, dans les animaux et les textures aussi. Pierrion, ça a été le premier. Et après, le dernier, je l'ai fini il y a quoi, il y a même pas un mois, et on est en mars. Même pas, on est en avril 2023. Donc, environ 2 ans. Juin 2023, les musiciens se rassemblent pour la première fois. Ils vont découvrir les illustrations ainsi que l'album enfin terminé. Et c'est aussi ce jour-là que sera tourné le premier clip issu de l'album Hyperion. Mais avant de clôturer ce reportage, je voudrais que Juan nous parle d'un morceau qui me tient vraiment à cœur. Donc La Nana del Sol est une chanson que j'ai écrite pour le batteur du Cante de la Naranja, Benjamin Rossignol, qui est pour moi comme un petit frère. Et j'ai écrit ce morceau dans des heures sombres, puisque c'est un morceau qui a été composé pour lui dire adieu, pour lui permettre de quitter ce monde. Très humblement, nous les musiciens, on a la possibilité, grâce à la musique, de permettre d'offrir une part d'éternité aux gens qu'on aime. Et c'est exactement le cadeau que j'ai voulu faire à Benjamin, à son papa Jean-Claude, à sa maman Quito et à sa sœur Aurélie. J'espère que ces quelques mots vous permettront d'entendre ce morceau à sa juste valeur. Et j'espère aussi que ce reportage vous permettra de voir le talent, l'amour et l'énergie que chacun a mis dans ce projet.